Une cavale. Salut l'équipe, c'est Mickaël. Si vous l'avez pas vu, je voulais juste vous dire que la semaine dernière, j'avais sorti une vidéo où j'allais piéger un harceleur scolaire. Voilà, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, un sujet assez important. Si vous l'avez raté, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à aller la voir après cette vidéo. Je passe juste un court extrait pour que vous puissiez voir. Et après, vous inquiétez pas, je vous laisse avec la vidéo pour laquelle vous avez cliqué. Ouais, tu le fais marcher à la pression. Ouais, c'est ça. Toi. Tu viens dehors à cette heure-ci, si t'es pas là, demain sera pire et tout. Voilà. Tu vois ton téléphone. Comme ça. Là. Salut l'équipe, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement piéger un escroc sur Vinted. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est Vinted, c'est un petit peu un genre de Le Bon Coin, on va dire, mais pour acheter et vendre des vêtements d'occasion. Et comme vous le savez très bien, qui dit vêtements dit risque de contrefaçon. C'est pour cela que je me suis rendu sur le site à la recherche d'une personne pouvant vendre de la contrefaçon. Et comme vous l'avez bien compris, que j'ai fini par tomber sur ma cible et la personne que nous allons piéger aujourd'hui. Donc voilà, je suis tombé sur une personne qui vendait un faux t-shirt Supreme pour une valeur de 200 euros. Donc ça commence quand même à faire un certain chiffre. J'ai bien évidemment bien vérifié avant, je me suis renseigné, etc. Et j'ai bien eu la confirmation qu'il vendait de la contrefaçon. Donc je suis rentré en contact avec lui, je lui ai lâché un petit peu des vis pour lui dire voilà qu'on pouvait pas l'envoyer, etc. Que c'était mieux qu'on prenne un rendez-vous en réel. C'était pas évident, mais il a fini par accepter. Du coup, je suis parti à sa rencontre et je l'ai piégé, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Enfin bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes sur la vidéo si elle vous plaît. Comme vous le savez, c'est totalement gratuit, c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Il y a du très très sale qui arrive. Et merci à tous ceux qui partageront cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Sur ce, c'était Mickaël et je vous laisse avec le contenu de la vidéo. Ah salut gros, excuse-moi. Ça va, tranquille. T'as pour le t-shirt Supreme là? Ouais, c'est moi, ouais, pourquoi? Sur Vinted? Ouais, c'est ça. Mais il est où le... T'as le... Le t-shirt avec toi? Comment ça, il est là? Tu vois pas? Comment ça, il est là? Attends une seconde. Ça, c'est... Là, c'est le Non, mais attends, mais oh gros, reste habillé, qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je mange pas de ce pain là, tu vois? Mange pas de quel pain? Moi, je mange que du pain viennois, je mange pas de pain genre... Pas de pain genre comme ça, tu vois? Non, faut pas le forcer avec moi. Comment ça? Non mais attends. Te déshabille pas comme ça gros. On se connaît à peine frère. Oh arrête de me sauter là. Me touche pas frère, qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille. Oh je t'ai venu pour un t-shirt ou pour... Arrête de te déshabiller gros. Mais arrête. Mais t'arrêtes. Mais gros mais pourquoi tu te mets à poil? Je me mets pas à poil, j'ai mon t-shirt en dessous. J'arrive gros, je viens pour t'acheter un t-shirt Supreme, tu m'agresses. Dis pas que je t'agresse toi. Mais gros. Moi je ne mange pas de ce pain là, je t'ai dit. T'es venu pour manger du pain ou pour acheter le t-shirt? Attends. C'est quoi, vas-y, on va oublier. Là on est là pour faire des affaires, on n'est pas là pour faire des relations quoi que ce soit. Relations de quoi? Je suis pas. Je sais pas gros, c'est toi, tu commences à te déshabiller et tout. Bah t'es quoi? T'es quoi, vas-y, on oublie. C'est bon, on parle affaire? Ouais, même tu vas me respecter, tu vas même parler comme ça là. On parle affaire? Dites-moi gros. Ça c'est quoi ça? C'est quoi gros? C'est le t-shirt que t'as vu sur Vinted. C'est ça que je vais acheter là? Ce t-shirt? T'es venu pour ça? Attends, en gros, pourquoi tu portes le t-shirt sur toi? Parce qu'il fait froid, j'ai pas envie de me trimballer dans les mains. Il fait froid de quoi? T'as vu le soleil qu'il y a? Il y a pas de soleil, là. Oh, la transpiration et tout, Mais non, je transpire pas. Ah, mais gros, t'es à la piscine ou quoi, gros? Pourquoi je suis allé à la piscine? Regarde, soulève ton bras. C'est quoi ça, gros? C'est quoi cette trappe? Y'a rien, là! Gros, tu mets le t-shirt ça avec des traces de piscine comme ça? Et tu crois que je vais te l'acheter? Arrête de dire ça! En train de me saouler là. Bon, tu sais quoi, au pire, c'est pas grave. Tu sais quoi, je le mettrai à la machine, t'inquiète, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, gros? Je suis en train de canaliser parce que j'ai envie de te frapper là. Tu sais qui? T'es chelou, toi? Parle plus. Essaye le t-shirt, demande 1200 euros. Bah, c'est quoi, regarde, c'est quoi? Regarde, au pire, c'est pas grave, j'irai le laver, tu vois, je le mettrai à la machine. Là, si tu veux, 5 ou 6 fois, y'a pas de souci, tu vois. 10 fois, même si tu veux. Ouais, mais... Maintenant, tu vois, ce que je veux, c'est que moi, je suis venu pour faire affaire avec toi. Maintenant, moi, je te le dis, je suis d'accord pour te l'acheter. Si tu l'as mis et tout, c'est pas grave, tu vois, au pire, comme je te dis, je le laverai et tout. Mais voilà, j'aimerais peut-être qu'on voit pour me faire un prix, quoi. Quand même. Un prix de quoi? Oh, c'est du Supreme. Tu connais la marque au moins? Ouais, non, je sais. C'est pas de brader, hein. Non, je sais pas. C'est 100 euros. Ah, j'essaie pas de brader, t'as vu, mais le truc c'est que, ouais, comme tu l'as porté et tout. Je l'ai pas porté, si je peux pas le trimballer, le mettre partout, le poser ici pour qu'il salisse. Moi, les lessives et tout, ça va me coûter de l'argent, tu comprends? Je te ferai une lessive gratuite. C'est quoi, regarde, c'est pas grave, on va oublier tout ça. On va repartir sur une bonne base. Je vais essayer le t-shirt, voir s'il me convient. Il va te convenir le t-shirt, t'es pas venu pour rien. Vas-y, passe, fais voir, montre. Donc, ça, on est bien d'accord, c'est le t-shirt. Oui, c'est le t-shirt. Tu l'as acheté où ce t-shirt? Je l'ai acheté à Londres quand j'étais parti en voyage. À Londres? Ouais. Et tu l'as acheté où à Londres? Dans une boutique. Une boutique? Ouais. Genre les boutiques là, genre où ils vendent les t-shirts Gucci avec des trucs Mickey et tout dessus là. Mais non! La boutique Supreme! Là, quelle boutique Supreme? À Londres! Bon, je vais pas connaître peut-être, d'accord, c'est pas grave. Tu connais pas, t'es allé à Londres? Mais non, gros, moi je.
Non, alors laisse pas te monter avec Mickey, je sais pas quoi là. Bon, c'est bon, tranquille, tranquille, mais est-ce que t'as la facture avec toi? La facture, c'est un t-shirt, 200 euros. Ouais, mais la facture pour attester que c'est un vrai. T'es en train de me saouler là. Pourquoi? Quand je te demande La la... fa... Tourne en rond là. Non, je juste la facture. J'ai pas de facture. Pas de facture? J'ai le ticket de caisse que je l'ai acheté. Mais vas-y, bah, montre-moi le ticket Mais de je l'ai caisse. pas là, je l'ai pas là. Mais pourquoi tu l'as pas ramené? Bah, je sais pas, personne me demande des tickets de caisse quand je les vends. Bon, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. À la rigueur, je peux faire sans. De toute façon, j'en ai pas forcément besoin, tu vois, pour l'utilité que je veux en faire. Moi, voilà, je te dis la vérité. Ce que je veux, tu vois, avec ce t-shirt, c'est être hype, tu vois. Je veux que toi ça. En fait... Je veux le porter, tu vois, genre comme ça, tu vois. Et je veux que quand je marche dans la rue, tout le monde se retourne sur moi comme ça. Et les gens font Oh my god, this man is hype. Oh my god. Et genre, non, mais t'as vu, j'ai vraiment envie que les gens, ils me regardent comme ça et qu'ils me respectent, tu vois. Ils se disent Ouais, Ouais. ils vont me respecter, ils vont me respecter. Lui, il porte du suprême, donc c'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est quelqu'un de riche. Oh, t'as les sous, j'espère, là. Ah, t'inquiète, t'inquiète, là, je suis en train Quoi, de. t'inquiète? Non, je suis en train de t'expliquer deux, trois trois détails. Je m'en là. fous. Je te vends le t-shirt, après tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais c'est pas tout. J'aimerais en faire une autre utilité, tu vois. Dis-moi, dis-moi. Et là, j'aurais besoin d'avoir ton avis. Donc, tu me Dis ce que t'en dis. penses, Vite, toi. vite, vite. Moi, Ah, ce je suis que saoulé, là. Moi, ce que... j'aimerais en faire, tu vois, c'est que j'aimerais en faire une double utilité. J'aimerais l'avoir comme un t-shirt double fonction, parce que tu vois, ça coûte assez Cher? cher. Oui. Du coup, j'ai pas envie d'acheter des trucs à droite à gauche, donc j'ai envie de le rentabiliser un maximum. Donc, ce que j'ai envie, quand je le porte, en fait, c'est aussi de pouvoir faire office, on va dire, genre, comme un espèce de bavoir mouchoir. Bah. De quoi, bavard mouche? Oh mon Tu vas faire quoi avec mon t-shirt? J'ai rien à faire! Je rigole en bas! Non, c'était juste une question, question. Tu me saouler là! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, gros? Ah bon, laisse-moi me calmer! Mais qu'est-ce que T'es en train de m'énerver! Qu'est-ce qui t'arrive? Tranquille, calme-toi! Quand tu pètes les plombs! Non, parce que. T'as pas toutes Chut! Dis-moi, t'as pas toute ta tête là! T'as pas toutes tes neurones, gros, toi, c'est pas possible! Ah, sur qui je suis tombé? Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Ton t-shirt, gros! Ah, gros, tu balances le t-shirt suprême comme ça par terre, gros! Tu balances le t-shirt suprême comme ça par terre? Gros! Oh, c'est bon, c'est bon. Désolé, désolé, j'ai pas fait. Gros, calme-toi! Qu'est-ce que tu fais avec le t-shirt suprême? Oh, mec! Mec! Ah, allô? Allô, mec! Je suis pas! Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train, je vais. Non, c'est Bon, tranquille! Vas-y, tu le veux ou tu le veux pas? C'est bon, Je le veux, je le veux. T'as envie de toucher dedans maintenant? Non, je me mouche pas dedans, mais si je le veux pas, on fait comment? Tu vas rester! Calme-toi! Ah, calme-toi, monsieur! Putain, ils sont bas les Oh, appelle pas des gens C'est aussi! bon, c'est bon. C'est bon, frère, tranquille. Bah, si je le prends pas, on fait quoi? Si, genre, j'ai plus Je envie vais de le le prendre. prendre, y'a pas d'option. Y'a pas d'option, je le prends pas. T'es venu, tu m'as fait déplacer, tu me rends fou, tu vas l'acheter. Ouais, mais. Là, je l'ai vu et tout, j'ai plus trop envie de le prendre, tu Vas-y, vois. regarde, prends-le comme ça. Non, vas-y, prends-le. Ouais. Sors les 200 euros. Bon, vas-y, c'est quoi, je vais te le prendre. Je le prends, c'est bon. Par contre, j'ai pas les 200. Ils sont où? Eh frère, je me suis dit que tu me ferais un prix, tu vois. Je me suis dit, à moins qu'on négocie ou quoi. Un prix de quoi? Si tu veux, j'ai ramené 20 balles. Gros! Arrête! Qu'est-ce que tu fais, frère? Attends, je fais du sport pour me canaliser parce que j'ai envie de te frapper là. Mais pourquoi tu veux me frapper? Tu me dis 20 euros! Mais si tu veux, je sais pas moi. Je me suis dit, ouais, je vais arriver, peut-être qu'on va pouvoir négocier tous les deux et ça va pouvoir le faire, tu vois. Frère, tu me fais une blague depuis le début là. Non, pourquoi? Je suis en train de monter en tension là, je vais te. Tu montes en tension? Faire des trucs de fou là. Ah, mais gros, mais attends, genre, bah dis-moi, vas-y, comment on fait alors? On fait comment? 20 euros, je le prends 20 euros, c'est bon ou pas? Ouais. 200 euros. Bah écoute, c'est quoi gros? Regarde, je vais t'accorder un cactus, tu vois, je vais être sympa avec C'est toi. quoi ça, accorder un cactus? Non, mais Ça veut dire genre je vais être cool avec toi, tu vois, je vais te faire, genre comme on dit, je vais t'offrir une pizza, tu vois. Oh là là, si je vais te faire une fleur, l'expression espèce de mongole. Ouais, c'est bon, on s'en fout, fleurs, pizza, Vas-y, 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 tout ce que j'ai tu veux, tu j'ai vois. j'ai Des fleurs, des pizzas, Ah, c'est quatre fous. fromages, des... Arrête! C'est bon, regarde, tu m'écoutes? Je suis prêt à mettre les 200 euros dedans. Par contre, juste avant, je veux l'essayer, au moins. Bah oui, c'est logique! Ah, je Je vais t'aurais fait ça depuis le début! Je vais tester un petit peu, tu vois, si ça me va, je te passe les 200 euros, y a pas de souci. Vas-y, C'est vas-y, bon? fais ça, vas-y, Donc, regarde, en fait. Ce que j'aimerais faire, tu vois, si possible, c'est genre, en fait, j'aimerais tester sa Oh, résistance. mon t-shirt! Mais rends-le-moi! Qu'est-ce que tu fais, gros? Gros, le t-shirt, il est à moi, gros, je vais l'essayer, gros. Oh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, range ton range ton Range ton Moi, les J'ai sous! pas les sous, j'ai pas les sous. Range le Range le Ta mère! Il me cavale! Il me cavale! À l'écart normalement. Et oui, je dis ce soir tu viens tout seul. Ouais, tu le fais marcher à la pression ouais, quoi. Ouais, c'est ça, toi. Tu viens dehors à cette heure-ci, si t'es pas là, demain sera pire et tout. Voilà. Tu vois ton téléphone, comme ça.
Là. Oh!